Très bien l'idée, il paraît que vous êtes belge. Est-ce exact? Eh oui, mon père est belge. Je suis né à Paris, mais mon père est belge. Vous appelez génial idée, c'est une longue histoire, j'imagine. Oh, c'est pas une tellement longue histoire, c'est le mari de ma cousine, qui est américain. Ils avaient fait un numéro de danse sous le nom des Hallyday. Et puis moi, j'ai continué à chanter avec le nom des Hallyday. Comment s'appelle ce que vous faites, ce que vous chantez? C'est du rock? C'est du rock, c'est du rhythm and blues. Comment vous préparez ces rythmes? Eh bien, on ne les prépare pas, c'est tout fait. Absolument l'improvisation? Oui, de l'improvisation. C'est un rythme comme le jazz, mais plus accentué. Quel est votre public? Uniquement des jeunes? Non, j'ai juste un public de tous les âges. Surtout depuis quelque temps. Quel effet ça fait d'être Johnny Hallyday? Le même que si je m'appelais Jean-Philippe Smet. Oui, croyez-vous? Il n'y a pas une différence, 1 600 000 disques vendus notamment. Oh, ne parlons pas de questions argent, là. Mais quel effet ça fait d'être une vedette, à votre avis? Ben moi, je ne me suis pas rendu compte parce que je vis très normalement, à part que tous les soirs, je pars pour chanter. Et quand je suis à Paris, je vis tout à fait de la même manière que je vivais il y a 2 ans, avec les mêmes copains. Est-ce que vous considérez comme un phénomène? Moi, pas du tout. Pas du tout? Non. Et combien de temps va durer, à votre avis, Johnny Hallyday? Qui sait? Pareil, vous allez faire du cinéma, c'est exact. Oui, quand je finis ma tournée, dans une quinzaine de jours, je commence à tourner dans les Parisiennes avec Vadim et Marc Allégret. En dehors du cinéma, de la chanson, du public, quels sont vos projets? Je ne sais pas encore parce que j'ai mon service militaire bientôt, dans 2 ans. Et pendant 2 ans, c'est déjà un beau programme.